Sophie, le camion est bien rangé, tout est fixé. Nous allons avoir besoin pour ce chantier de l'aspirateur. Très bien, je m'en charge. Alors attends Sophie, analyse des risques, c'est encombrant, c'est lourd, nous allons faire ça à deux. Tu as tes chaussures de sécurité, tes gants, je prends mes gants, gestes et postures, le dos bien droit et on va plier nos jambes afin de descendre l'aspirateur. Très bien. Sophie, nous avons changé les filtres EPA, contrôlé l'intégrité de ces filtres. Avant de faire la qualification de la salle, nous allons procéder au bio-nettoyage. D'accord. Je profite de cette intervention pour te parler d'un point essentiel, la prévention des troubles musculo-squelettiques. Très bien. Nous avons parlé des gestes et postures. Il ne faut pas hésiter, Sophie, à s'échauffer, à s'étirer. Il y a un mouvement à proscrire, les rotations bras en l'air avec effort. Pense à toujours garder le dos bien droit. J'ai bien compris. Sophie, manifestement, nous ne faisons pas la même taille. Pense, lorsque cela est possible, à toujours adapter ton outil de travail à ta morphologie. Oui, effectivement. Le manche de ce balai trapèze est bien réglable. We'll be right back.